Yo, salut les trailers. Alors, aujourd'hui, on est parti pour le 110 km des Pyramides Noires. Alors, comme vous pouvez le constater, le temps est magnifique. On est vendredi, il est 19 h. Le départ ne sera pas donné avant minuit. On va prendre le bus. On a des bus qui vont nous emmener au départ. Départ des bus à 22 h 45, 22 h 30 à peu près. Et puis à minuit, top départ. Donc on se retrouve pour le départ, mais il fera un petit peu plus sombre. Voilà. Allez, ciao. Salut. Bon, il y a encore pas beaucoup de monde d'arrivée. On va aller voir ce qui se prépare, les installations, tout ça. Allez, venez voir. Et ben voilà. Tout est en place, les tables, les chaises, le bar. Voilà. Alors ici, ça c'est une salle de spectacle, pardon. C'est le Métaphone. Alors ici, on a le chevalet, hein, qui permettait aux cages où s'entassaient des dizaines de mineurs de descendre au fond de la fosse. Donc on a la fosse numéro 9 et la numéro 9 bis. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. On va rejoindre la voiture parce que là, pas grand-chose. Puis on va attendre. Allez, ciao! Voilà, c'est un petit peu plus de lumière. Bon, voilà. Attention, c'est parti! Allez, ciao, ciao! Parti! C'est le bassin minier. Est-ce qu'on a le centre de l'Est, hein? C'est une descente d'enfer. On s'est tapé une montée, mais alors une pente à, je sais pas moi, 20-30%. Hein. Bon, bienvenue les amis. On est sur le trail des Pyramides Noires, sur le 110 km. Donc là, il est 2 h du matin. Il fait vraiment très très noir. On n'y voit pas grand chose. Voilà, mais je suppose que demain matin, les paysages seront splendides. On a déjà passé plusieurs terrils. Voilà, donc on se rapproche du ravitaillement numéro 1. Voilà, allez, à plus. C'est par ici. Il y a les traces. Hop.
pas évident de se repérer. Heureusement, c'est quand même bien fléché. Super, c'est parti. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est super caillouteux. Et en même temps, il y a une espèce de poudre, de sable. C'est très instable. Alors, je vais à terre ferme. Cool. Il y a encore des gros rochers. Ça, ça passe. Là, j'entends au loin le ravito. Des gens qui parlent. Et qui, ça, donc, ça résonne. Dans la nuit, ça résonne. On va bientôt arriver au premier ravito. J'avais prévu d'arriver à 2h10 à peu près. Il est déjà 2h20 passé. Et ben voilà, le jour se lève, enfin. Les oiseaux gazouillent. Ah bah, belle vue. S'il y a suffisamment de lumière, on est au kilomètre 34. Voilà, 34. Là, je marche un peu pour récupérer. En fait, je cours, je marche, je cours, je marche. Là, j'alterne. C'est magnifique. Regardez-moi ça, les amis. Attention. Et le soleil va briller dans quelques instants. Ah, magnifique. Bon, alors du coup, on va faire un petit brief. On est au kilomètre 38. 38. Voilà. On s'approche du ravitaillement numéro 3. Qui est au... Ah ouais. Donc le ravitaillement 3 qui est au 52e kilomètre. Donc il nous reste encore... 14 km à faire. C'est faisable. Ah, 14 km. Attends. Salut les gens. Bon ben, on vient de passer le marathon. Hein, 42,300 et des brouettes. En 7h06. 7h06 pour faire un marathon. Bravo. Bah bravo les sportifs. Hein. Bon. Sinon, bonne nouvelle. On a fini un marathon, on en recommence un deuxième. Eh ouais, c'est comme ça. Attention, poubelle jaune. C'est une course d'obstacles. Bon les amis, allez, on va aller faire du ski. Voilà. Alors on va aller faire du ski. Là. Bon bah on va s'amuser, hein, on va grimper tout ça. C'est parti. Bah c'est marrant parce que sur la caméra ça a l'air d'être tout plat. Mais je vous assure, hein, ça monte. On a dû passer déjà 9 terrils, là c'est le 10e. Dur. Ça n'en finit pas ce truc, ça n'en finit pas. Impressionnant. Merde. Il y a des bosses.
et remonte-pente est toujours en panne. Bon, je crois que je vais manger un petit quelque chose parce qu'après on va sur celui-là et puis les deux jumeaux là qui sont là-bas. Hein? Et après on n'a pas fini, hein? Après il reste encore plein de kilomètres. Bon bah les amis, le trail c'est fini pour moi aujourd'hui. Voilà, donc 52 km. Arrêté au 52e km. Ça va devenir une habitude, je crois que je vais me spécialiser dans le 50 km. Ouais, ça m'évitera d'abandonner. Voilà, donc je suis entouré de, bah, des étudiants de l'école de commerce de l'IUT de Lens. Et après l'effort, le réconfort. Les amis, c'est le temps du débrief pour ce trail des Pyramides Noires 110 km. Alors, la première chose à dire, c'est que je me suis littéralement régalé. Même si, effectivement, je ne suis pas allé jusqu'au bout du trail, puisque j'ai interrompu ma course, j'ai préféré l'interrompre tout simplement parce que j'étais beaucoup trop fatigué. Tout simplement parce que voilà, le départ du trail des Pyramides Noires c'est minuit, dans la nuit du vendredi à samedi, sachant que le vendredi bah, j'ai bossé toute la journée, je me suis levé à 5h du matin et que voilà, je suis allé directement du boulot sur le site des Pyramides Noires pour prendre le départ en bus qui nous amenait donc ensuite sur la ligne de départ à Gonnet. Donc j'ai pris le départ, je me suis franchement régalé sur la première partie, les 20 premiers kilomètres sont fantastiques. On traverse le Bois des Dames, on arrive ensuite sur le terril donc à Lapunois. D'ailleurs Lapunois qui est l'endroit où on fait le trail de la fraise. Hein, que je vous recommande si vous êtes friand des fraises. Bon, cela dit, ensuite, la course s'est déroulée, franchement, dans la nuit, on voit pas grand-chose, hein, c'est vrai. Hein. On imagine plus, hein, ça fait travailler un peu l'imagination. On traverse des bois, on monte des terrils, on arrive sur des vues... de villes illuminées avec les lampadaires, les lumières des maisons, les phares de voitures, etc. Et on voyait tout le bassin minier illuminé, c'était franchement génial. Ensuite, la course, on a continué à dévaler les terrils. Hein. Donc sur je me suis arrêté au troisième ravitaillement au 52e kilomètre. Au niveau de la barrière horaire, on devait être là-bas à 8h30, mais on est arrivé à 8h50. Donc on était déjà hors barrière horaire. Les organisateurs étaient prêts à nous laisser partir si on était frais et dispo et capable d'accélérer, de mettre un petit coup de boost. Or moi, j'étais complètement ruiné. J'avais eu des problèmes de hanche et de dos. C'était il y a un mois, j'ai pas récupéré et le problème s'est de nouveau présenté. D'autant plus qu'il y avait la fatigue. Hein, je vous ai dit, la dernière fois que j'ai dormi, c'était le jeudi. Et on prend le départ d'un trail le vendredi soir à minuit. Donc ensuite, j'ai eu quelques incidents aussi quand même de parcours. Ma lampe frontale qui est là, la batterie, je l'avais pourtant chargée à bloc et elle s'est déchargée hyper méga vite. Donc je vous déconseille d'acheter cette marque. Hein, c'est une marque Decathlon On Night. C'est censé être des batteries capables de durer 7 heures. Elles ont duré. Durer 4 heures.
Donc à 4 heures, j'avais plus de lumière donc pour m'éclairer, pour illuminer ma route, voir les trous, les bosses, les racines, etc. Donc j'ai et puis voir surtout les rubalises pour pouvoir suivre la piste. Donc écoutez, j'ai demandé tout simplement à une personne qui était là pour faire la circulation. Hein. Vous savez que quand on doit traverser des axes routiers ou traverser des ronds-points, etc., il y a toujours des personnes en poste pour sécuriser l'accès, l'arrivée des coureurs, arrêter les voitures, signaler notre présence, etc. Donc j'ai profité effectivement d'une signaleuse qui m'a donné sa lampe frontale, puisqu'elle était sur un endroit qui n'avait pas besoin d'être illuminé, puisqu'on était au pied d'un terril, donc il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de mobylette, de camion, etc., qui passe au pied des terrils, hein, c'est la nature. Simplement, elle était là pour nous signaler l'endroit où il fallait monter et les consignes, puisqu'il fallait monter les escaliers, ne pas prendre la piste, monter les escaliers et redescendre par les escaliers, et qu'en haut il y avait un pointage. Voilà, donc la signaleuse en question, elle était avec, elle était pas seule, hein, il y avait un signaleur avec elle, donc ils ont eu une lampe frontale pour deux, et ils m'ont très gentiment prêté leur lampe frontale, donc l'organisation chapeau, les signaleurs et signaleuses très très bien, et donc j'ai pu terminer ma course grâce à elle. Voilà pour la petite histoire. Après cela, j'ai commencé à fatiguer. On a enchaîné les terrils, on en a fait une dizaine, hein, quand même, c'est pas rien. Donc ça nous brûle les cuisses, ça nous brûle les mollets, ça nous déglingue les genoux en descente et les chevilles. Et après, une fois qu'on a descendu et monté un terril, c'est des longues lignes droites. Des longues lignes droites, donc ce sont les cavaliers, hein, ce qu'on appelle les cavaliers, les anciennes pistes qui amenaient les wagonnets de charbon ou de résidus de charbon plutôt, on va dire, jusqu'au terril. Donc ces fameux cavaliers qui sont interminables, qui sont longs et qui sont roulants. Donc on envoie sur des portions plates et roulantes. Donc on se fatigue encore plus. Donc les terrils avec des pentes à 30 degrés. Des cavaliers plats où on doit envoyer la patate, ça m'a complètement tué, avec en plus donc ce problème de dos, de hanche et la fatigue. Au 52e kilomètre, j'ai arrêté. Donc j'ai quand même eu, je ne l'ai pas ici, bon, j'ai eu une superbe veste, manche courte, floquée derrière donc Trail des Pyramides Noires 2019 avec mon nom. Hein, malgré le fait que je n'ai pas terminé, c'est très bien, j'ai simplement pas eu la mention finisher floquée sur la veste, ce qui est tout à fait normal. Donc un très beau souvenir, un très beau cadeau, et puis des rencontres, hein, également, avec des trailers qui on a pu discuter, parler, etc. Des organisateurs en VTT à qui on a sympathisé pendant toute la course. Donc il y a notamment Vincent, donc j'espère que Vincent il a bien terminé sa course, parce que quand j'ai abandonné, lui il a décidé de continuer, il était un petit peu plus frais, il avait un peu plus de morale, de mental, hein, on va dire. Donc j'espère qu'il a terminé sa course, et voilà, donc moi j'ai abandonné avec Frédéric, donc on était deux à abandonner au poste ravitaillement numéro 3, au 52e kilomètre, on a été ramené ici à Ouani, où j'ai pu me restaurer, boire une bonne bière, etc. etc. Donc, dans l'ensemble, malgré le fait que je ne sois pas finisher, très bonne organisation, très bon trail, des signaleurs et des bénévoles en or, franchement. Et puis, une nourriture à l'arrivée qui est géniale. Hein, il y avait 5 ou 6 food trucks différents et on pouvait choisir ce qu'on voulait. Donc moi je me suis fait plaisir avec un curry de poulet à la cacahuète, hein. Donc plat réunionnais, donc nickel, avec deux petits gâteaux vanille chocolat et patate douce chocolat. Voilà, donc spécialité réunionnaise. Spéciale dédicace à Yves qui habite la Réunion et avec qui on a plus ou moins donc effectivement décidé de faire le grand raid. Alors je sais pas si ce sera le grand raid ou la mascarène ou etc.
bref, en 2020. On va essayer de se trouver un dossard. Voilà, donc après, il faut voir si on est prêt, tous les deux. Ça sert à rien de courir une course si on n'est pas prêt. Surtout la course du Grand Raid ou une des courses du Grand Raid qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Qui sont très exigeantes. Voilà, eh bien, moi, j'ai plus qu'à vous dire ciao, ciao, bye, bye, et à très bientôt sur la chaîne avec cette fois-ci peut-être quelques tutos spécifiques sur la pratique du trail plutôt que des courses, parce que je n'ai plus vraiment de courses en fait inscrites pour ma saison. Voilà. Ça va bientôt être les vacances juillet-août et là je vais en profiter pour être en congé avec la famille. Voilà, tchuss, bye, big up et surtout, trailez bien les amis!